start this revolution. Ça crée une ville, je veux dire, hein, quand vous avez ça partout. Que ce soit dans les trucs abandonnés, sous des ponts et tout, ça oui. Mais bon, dans le centre-ville et tout, ça crée un peu. Quoi. Je trouve ça dommage quand ça se trouve sur des monuments qui sont classés monuments historiques. Mais c'est dégueulasse, quoi. Lorsqu'on est responsable d'une ville et de son image, on est obligé de lutter contre les graffitis. Après, je pense qu'il doit faire des endroits pour ça, quoi. Que les gens qui ont envie de le faire puissent le faire aussi. J'ai commencé en 92, 80, 93. Maintenant, ça va faire à peu près 17 ans, 18 ans que je peins, que je fais du graff. J'ai commencé par faire du vandal, un peu surtout Avignon et Villeneuve et tous les environs, pendant à peu près une bonne dizaine d'années. Et après, à force de se faire attraper par la police, d'avoir quelques amendes, des TIG et tout ce qui s'ensuit. La force des choses m'ont fait que petit à petit j'ai voulu rentrer dans un cadre légal. Le but du graffiti à la base, c'était de voler ses bombes, après partir taguer, faire la première étape c'était de voler ses bombes, si on y arrivait, on pouvait passer à la deuxième, c'est-à-dire faire le graff. Si on se faisait pécho, tant pis pour nous. J'ai commencé vers 12 ans à Avignon, avec 2-3 collègues, petit crew. Puis après, j'ai connu du monde, j'ai continué à avancer. Voilà, je post-track, KRS, ça c'est mon crew. Asso, c'est mon crew de base avec lequel j'ai commencé. On n'était que 2-3, quoi, puis voilà, ça s'est amplifié. On peut dire ce qu'on veut des tags, on aime ou on n'aime pas, d'accord, on est d'accord là-dessus. Mais quand même, on est sur le domaine privé, et on détériore le bien d'autrui. C'est ça le gros problème. Les taggeurs sont des gens qui contournent la loi et qui empiètent sur la propriété d'autrui. Ça n'en fait pas pour autant des délinquants. Faut quand même pas exagérer. Hardcore comme reconnaître ses torts. Hardcore. Les jeunes sont passionnés de films gore. Hardcore. Sera le journal télévisé de ce soir. Hardcore. Et les gens ont peine à croire au mot espoir. Hardcore. C'est une violence faite à la pierre. C'est une violence faite à l'environnement. C'est une violence faite à la ville. Alors, comment luttons-nous contre les tags à la ville d'Avignon? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, on avait donc créé un service avec deux camions donc, et quatre agents. Parallèlement, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant, les quatre agents. Donc, on est intervenu d'une autre façon et on a pris une entreprise spécialisée qui s'occupe donc de l'enlèvement des tags. On lui a attribué un marché de à peu près 300 000 euros. Le maire d'Avignon a signé avec le procureur pour que systématiquement, il y a une suite à n'importe quel tag qui se fait. Si ça laisse la dégradation, là, c'est même punissable de prison. Les premiers qui ont fait du graffiti, ils sont fait, enfin, ceux qui se sont fait serrer, ils ont fait jusqu'à 5-6 ans de tôle pour... Bon, voilà, après, ils avaient font des doubles wall-cars sur des trains, ils remontent tout. Normal. J'ai eu 1800 euros d'amende pour deux graffiti, enfin, pour deux tags même plutôt, je dirais. Et voilà, 1800 euros d'amende, mais bon, ça m'a pas empêché de peindre. J'ai un collègue qui s'est fait attraper, justement, et c'est justement son père qui a payé pour lui à la sortie du tribunal, parce qu'il n'était pas majeur. Il y a une chose que j'ai trouvée normale, c'est qu'effectivement, il fallait quand même rembourser les personnes voilà, qui avaient été indisposées ce cas-là. Ce que je n'ai pas trouvé normal, c'est que moi, j'avais proposé un petit peu au service de police, dire, bon, mais s'il a fait des bêtises, on n'a qu'à lui filer une brosse à dents, il n'a qu'à aller dans les rues et puis nettoyer les graffes. Ouais. Et on m'a dit, non, ça, c'est pas légal, on n'a pas le droit de le faire. Donc, à la sortie, c'est quoi? Ce sont les gens sur qui la voiture dont il a graffé qui ont été lésés, et puis les parents qui ont été remis en cause, puisqu'il a fallu régler. Jack, boom, boom, boom. Faut qu'on macre,
faut qu'on boum. Je suis de la sera de ceux qui crient et qui ne laissent pas de se. Ça va que la juge d'enfant nous a bien expliqué que c'est l'assurance qui réglait ça. Donc l'assurance a réglé ça. C'était quand même. Il avait graffé une voiture, je crois que c'était à la hauteur de 3 000 euros, je crois, 3 000 ou 4 000 euros. Donc c'est vrai que bon, à la sortie, lui, quoi, bon, lui, il a fait la bêtise. Finalement, il a rien réglé. Il a rien réglé, si ce n'est réglé quelque chose, un conflit avec ses parents ou avec lui-même. Bon, c'est déjà une bonne chose aussi, ça a été un avertissement. Mais c'est vrai qu'en termes clairs, finalement, lui, il n'a pas été plus responsabilisé que ça. L'engagement de la ville, c'était qu'on leur donne un lieu. Le lieu, on l'a trouvé du côté donc, du parking des Italiens. Vous avez vu ce mur-là qui est toujours tagué. Une fois qu'il est fini complètement, on passe un coup de blanc, souvent, et après on le laisse retaguer encore. Simplement, à certains, ça ne suffit pas. Les taggeurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est être vus. Non pas eux, mais le résultat de leur action. Et donc, c'est la ville qui est la cible. Leur donner un endroit moins au regard de tous les passants ne peut pas les satisfaire pleinement. On n'a pas de, comment dire, de subvention de la part de telle ou telle mairie. Seulement, on passe des partenariats, on essaye de passer des accords. Donc, j'ai monté cette association Poly-Artoine en 97. Et du coup, j'ai eu cette idée de monter une structure qui fait qu'on peut avoir par le biais d'entreprises, de particuliers, des murs autorisés. Beaucoup de gens vivent du milieu du graffiti, notamment les diffuseurs de bombes, les magazines. Il y a plein de dérivés qui existent aujourd'hui par le biais de plein de supports divers. Donc Atari a sorti un nouveau jeu qui s'appelle Getting Up en partenariat avec Marc Eco. Donc le but du jeu, c'est de graffer la ville, on va dire. Vous avez des petites missions. Donc vous devez taguer tel mur, récupérer des bombes à tel endroit, faire respecter votre territoire, on va dire. Il a quand même assez bien marché, mais vraiment pour la communauté graffeur. J'espère que à terme, le graff va de plus en plus se démocratiser, entrer justement dans des endroits où on ne s'y attend pas. Nous, c'est là que j'aime bien, moi, c'est surprendre les gens, c'est les attendre là où ils ne nous attendent pas, les surprendre. Et ce que j'espère surtout, c'est d'arriver à monter ma boîte prochainement et réussir à en vivre. Voilà l'objectif de mes prochaines 5 prochaines années.